Une amitié de longue date, célébrée à Banjoun. Le patriarche Photo Victor, maire de la commune de Pète Banjoun, a reçu une délégation venue de la France, conduite par Pierre de Gaëtan Jinka Moulium, représentant personnel de Pierre Castel, l'ami de Photo Victor, avant l'indépendance du Cameroun. En 1959, j'étais dans une petite ville du Cameroun qu'on appelle Bamayou. Pierre Castel venait ici comment? Il venait vendre du vin en Damjan. Arrivé à Bamayou, qu'est-ce qui se passait? On vient me dire, chef de division a besoin de toi. Je couvre, je viens, il était devant. J'étais le seul moi. Il dit, bon voilà, toi que tu fais le commerce, voilà un ami en passage. Il a vendu ses marchandises, sa laisse. Tant d'argent, il ne sait pas comment il va faire pour garder. On va trouver lui, il va vous confier. Vous n'allez pas payer. Il va vous confier. Il vous donne le prix que vous avez vendu. Il a dit qu'il va revenir quand même. Il dit, prochain voyage qui va venir ici, il vient, si vous avez vendu, ce que vous avez vendu, vous allez ouvrir le matin. S'il y a des restes, il faut garder à quoi vous conduire. Bon. Bref, pour ne pas perdre le temps, voilà comment on s'est connu. Moi, je suis Cassé. Quand Cassé me voit aujourd'hui, il dit, Victor, j'ai dit Pierre, présent. Et ça ne vous dit rien, mais pour moi. Cette rencontre du samedi 16 mars 2013 s'inscrivait dans le cadre d'une visite du Club Bordeaux Cameroun France et l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Tout commence par la visite de l'Institut Universitaire de Technologie Photo Victor de Banjoun, suivi de la visite guidée de l'hôtel de ville de Pète Banjoun, où l'accueil a été réservé par le maire Photo Victor et Madame Zongo Antoinette, préfet du Kunki. Ensuite, un déjeuner a été offert aux illustres hôtes par le patriarche Photo Victor à sa résidence. Au cours de ce repas, des échanges et différents témoignages étaient à l'ordre du jour. Des prix ont été remis aux lauréats par le chef de délégation Pierre de Gaëtan Jinka Moulium et Sylvie Cazès, responsable de la délégation. Mais c'est les impressions de grande émotion d'abord, ensuite de profonde reconnaissance, de grande gratitude, et puis surtout un exemple à suivre par la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine en général. Pour matérialiser leur amitié, le patriarche Photo Victor a envoyé un message personnel à Pierre Castel. Comme message, je tiens absolument qu'il y a un rude Pierre Castel ici. Mais on attend que lui, il vienne vous donner ça, pour qu'on mette son nom là. C'est le message. Hein? Voyez. Message reçu. Voilà. Vous entendez? C'est déjà reçu. De nombreux cadeaux ont été remis aux visiteurs pour la circonstance avant leur retour en France. Vous-même, vous comprenez? Ah oui, ah, moi, je suis un poker. Ah bon? Bonjour. Je suis...